y a un chemin. Kuna picha moja. Dans notre marche. Musafari yetu. Pour toutes les questions de la foi. Kuhusu mambo yote ya imani. La Bible ou la parole de Dieu demeure l'autorité suprême et absolue. Biblia neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu, mon funu, ma kumimbili nambili. Depuis le verset 18, Mustara wa kiakumi na mnane. Je déclare à quiconque entend les paroles des prophéties de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux écrits dans ce livre. Ninamtangazia kwa yote anasikia hii maneno ya mkitabu ya unabii. Kama mtu anaongeza ko bintu fulani mitamupika na hii mapiko. Si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles de ce livre, de cet livre, la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte écrit dans ce livre. Kama mtu anaondosha mui maneno ya hii kitabu ya unabii, na Mungu ataondosha sehemu yake kuile muti ya uzima na ile muji takatifu ile Mungu anaandika. Si quelqu'un atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Na ule anahakikisha hivi bintu anasema ndiyo nimekuja sasa. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Kuya Bwana Yesu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Na neema ya Bwana yetu Yesu Kristo ikuwe na mwe bote. Tuombe sisi wote. Prions tous ensemble. Baba Mungu aliye juu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je confie mon amour dans la sainte, je confie la grâce, l'honneur, pour que tu sois la jeune et la perpétuité. Je t'en supplie, je t'en demande. C'est vraiment capable, non? Pourquoi je peux commencer à frissonner? The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell, the guilty pair bowed down with care. God gave his son to man, his erring child he reconciled Père Céleste. Mais par ta grâce, nous sommes venus encore aujourd'hui. Nous te remercions pour ça. La manière dont tu as gardé chacun de nous parfaitement. Pour amener tous ceux qui étaient en voyage ici avec la paix. Et guérir tous ceux qui étaient malades. Et nous croyons que tu es Dieu qui résout des problèmes différents au milieu de ton peuple. Et toutes ces requêtes, nous les offrons entre tes mains saintes.
Agir et acheter quelqu'un de vous selon sa foi. Et tu bénis le frère qui nous suit par l'internet. Et tu connais le besoin de chacun d'eux, Seigneur. Bénis également tes enfants qui sont sur le champ missionnaire. Et à chaque instant que tu peux le ramener au milieu de nous, nous abandonnons notre frère Franck dans tes mains. Tu connais déjà son âge. Assiste-le, Seigneur, dans tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Puisses-tu le soutenir dans tous ses problèmes. Et souviens-toi de notre pays. Et accorde, amène la paix dans ce pays. Notre pasteur se tiendra ici pour prêcher la parole. Donne-lui un langage pour que chacun de nous puisse bien comprendre. Pour que tous nous soyons dans un même esprit. Avec une même espérance et une même foi. Et que le corps de Jésus-Christ soit édifié. Bénis les diacres et les administrateurs, les trésoriers, notre chorale et tous les ministres, les interprètes, et que chacun qui travaille d'une manière particulière, que ta bénédiction soit sur lui. Et nous demandons tout ça dans le nom de notre Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère et la sœur sont fiancés. S'il a plu à Dieu, le mariage sera consacré le 30 avril. S'il y a quelque chose qui peut empêcher la consacration de ce mariage, vous pouvez nous informer avant le. Vous pouvez regagner vos places. Et nous allons glorifier notre Dieu de ces temps.
Uliruhusu tupate kufika muwepo wako. Tunakusifu kama vile watu wako. Na tunakutumainia wewe. Magharibi ya leo tuzungumuzie. Utufundishe katika njia zako. Heshimu imani waaminifu wako. Unipati inayofaa Bwana. Juu ya kujenga mwili wa Kristo. Bariki kanisa utamzima. Bénis nos conducteurs. Bariki viongozi wetu wote. Bénis tous tes serviteurs. Bariki watumishi wako. Fais en sorte. Fanya hili. Que tout se passe pour ta gloire. Yote ifanike juu ya utukufu wako. Et pour notre avancement. Na juu ya kuendelea kwetu. Souviens-toi de ton œuvre. Kumbuka kazi yako. Bénis Israël, ta nation. Bariki Israeli taifa yako. Bénis aussi le Congo, notre pays. Bariki pia Congo nchi yetu. Puissons nous l'accorder, Seigneur. Nous avons ainsi demandé avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme promis, nous allons prendre une semaine pour parler du ministère de Frère Franck. Pas de l'homme Franck, mais de son ministère. Parce que vous avez des franquistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous, nous sommes des chrétiens. Vous avez des branhamistes, vous avez des franquistes. Mais nous, nous sommes des chrétiens. Ça sera un message important pour l'épouse. Beaucoup de frères qui ont reçu le message de Frère Branham, ils ont loupé cette portion. Et ils sont complètement fauchés. Dieu nous a fait grâce. Mungu atufanyia neema. Frère, c'est une grâce. Wandugu ni neema, ujua ima. On pouvait être dans le camp des autres. Tulipasha kuwa sawa na wengine. Et vous comprendrez. Na mutaelewa. Ce que nous nous sommes en train d'apprécier. Ile situ unafurahia na kuona kuamua. Cela est appelé dans notre camp comme venant du diable. Ça fait deux extrêmes. Soyez attentifs. Le temps est court. On aura 4 ou 5 séances, je ne sais pas. C'est 4, je crois. Mardi. Mercredi, jeudi et dimanche. Parce que vendredi, je répondrai aux questions. On va tenter de dégager l'essentiel. Pour aider le nôtre. Vous avez droit à l'exactitude de la chose. J'essaie d'aider le nôtre. Il y a un chemin. Kuna picha moja. Dans notre marche. Musafari yetu. Pour toutes les questions de la foi. Kuhusu mambo yote ya imani. La Bible ou la parole de Dieu demeure l'autorité suprême et absolue. Biblia au nom la Mungu ndio mamlaka ya juu sana kupita yote. L'absolu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui tranche. Un mensonge par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu.